cas, cette fois-ci, il a marqué non custom en description. Si Shluga nous a pas mis les custom, il n'y aura plus de bug d'élan. Ça, c'est cool. Mmh. Non, parce qu'à chaque fois on a la custom alors que c'est en non custom, on a trop d'élan, on s'envole. Et hier on l'a fait, hein, alors ouais, le début tout passe, mais dès que t'arrives au wall ride, bah avec la nef c'est injouable, ça glisse, impossible de prendre la spirale, la voiture elle glisse, c'est juste impossible. Du coup je me suis TP, enfin j'ai enlevé la neige, je suis passé one shot, j'ai téléporté tout le monde. Et il y a un deuxième point avec des sauts de wall ride, bah pareil, impossible. Ouais, du coup, j'en avais marre, j'ai quitté. Il y avait Drazin, il y avait FRTAR. J'ai dit, tu veux pas, on teste la nouvelle map à FRTAR. Du coup, on est parti faire le Asian à FRTAR. Qui, lui, est faisable, même avec la neige. Un peu chaud, mais faisable. C'est incroyable, ça. Des parcours sont infaisables à cause de la neige et des Asian, tu peux quand même les faire. J'ai le monde à l'envers. Ouais. Il l'avait pas fait compliqué, mais bon, il y avait quand même des marches arrière à faire dans des tubes, des demi-tours pneu boost, des transferts vers le bas. Il y avait quand même du level, quoi. Mais bon, on y avait la Furia ou la XA, ça passe. La neige, elle reste pas sur les routes verticales, c'est que sur les éléments. C'était jouable. Au moins 20 fois avant de passer, j'avais pas assez d'élan avec la neige, la voiture elle allait pas assez loin. Ouais, déjà là ici tu passes très très large, je tapais tout le temps le bord. Ici pareil, ça passe très très large. Ouais, la neige elle flingue tout. Accélère, non ?
après je connais plus le parcours, parce que ici c'était impossible à faire. Ça m'a saoulé, je me suis barré. Ça, ça aurait été infaisable aussi avec la neige. Oh putain, le truc incliné comme ça. Assez d'élan. Ok, là ça passe. Il est chelou ce jeu. Ah oui, ben là c'est mort. Ça c'est un coup. Est-ce qu'il faut mettre le jeu à 30 fps pour que ça passe, comme sur PS4? Ah non, mais vraiment, il y a plein de parcours ces derniers temps où j'ai des bugs, je n'arrive pas à passer. Je bloque le jeu à 30 fps, je passe. Ça commence à me casser les couilles, GTA en vrai. La neige, les bugs de FPS, c'est... Si t'as un bon PC, bah tu passes pas. Il faut un PC de merde pour passer, au moins t'as les mêmes FPS que sur PS4. Ça pue la merde. PC, je vais acheter un PC des années 2000, au moins je serai plus emmerdé par les questions d'élan. J'aurai des graphismes de merde, mais au moins j'aurai les bons FPS. Ah oui, c'est bon. Moi, je te jure, hein. Un parcours en Deluxo, on l'avait lancé à plusieurs, je suis resté bloqué 20 minutes à un point. J'insistais. Non, une demi-heure, c'est Balthazar qui est resté bloqué 20 minutes. Il est passé au bout de 20 minutes. Et tout le monde passait, tout le monde, moi je disais ouais mais c'est impossible et tout, il y en a plein, ils disaient easy, bah oui easy mais tu passes. Et Thomas il me dit bah essaie de le relancer tout seul, parce que Thomas il était là, il me dit peut-être t'as des bugs parce qu'on est plusieurs et tout, je le relance tout seul, même problème. Et du coup je réfléchis, je commence à regarder les graphismes, tout ça, je me dis c'est peut-être mes graphismes ils sont trop hauts, j'avais pas envie de modifier des trucs, du coup j'ouvre Riva Tuner, je bloque à 60 fps, et là je vois que la voiture elle vole plus haut. Je me dis what? Du coup j'essaye, ça passe toujours pas. Je me dis vas-y, tu sais quoi, je vais mettre 30 FPS comme sur PS4. Je suis passé one shot. Comme bidule. Non mais je suis passé one shot à 30 FPS. C'est hallucinant. Les FPS ils te flinguent certains sauts. Je sais pas pourquoi. Et j'ai eu le même problème sur un autre parcours il y a pas longtemps qui n'était pas en Deluxo.